Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Béni soit Dieu qui nous appelle ce soir à célébrer la messe vespérale en l'honneur des saints Cyrille et Méthode qui ont été envoyés par le pape de Rome pour aller apporter l'Évangile dans les pays slaves, dans le Nord. Et c'est un véritable succès, une véritable puissance de l'Évangile que nous célébrons. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les ondes de KTO pour célébrer cette Eucharistie où nous apprenons que Jésus a choisi comme ses amis Saint Cyrille et Méthode. Et la gloire de ces deux frères fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Puisse le Seigneur nous appeler aussi au service de son Évangile. Demandons pardon pour les péchés que nous avons commis, il nous en éloigne, mais confions-nous au Seigneur qui nous rapproche de lui et de nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis lana nostri dirigimus Dei ad adamus Dei glorificamus Te gratias agimus Tibi pro terra magnam gloriam Tua.
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance : C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même devait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin, mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, mais dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez ou soignez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le règne de Dieu s'est approché de vous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous rappelons que Saint Cyril et Méthode ont été choisis parmi les saints patrons de l'Europe. Saint Cyril et Méthode ont été envoyés, si je me souviens bien, à la fin du 9e siècle de notre ère, bien sûr. Et c'est de Rome, donc du centre où l'Évangile s'est posé selon le mouvement de l'Esprit-Saint au temps de Saint-Pierre et de Saint-Paul, c'est de là que la mission a été organisée pour aller proclamer l'Évangile. Où l'on voit que Dieu prend son temps. Ça fait quand même plus de 800 ans à ce moment-là que l'Évangile circule, principalement autour de la Méditerranée, l'endroit où le pape donne tellement d'importance, le pape François, puisqu'il va venir à Marseille pour s'occuper justement des deux bords, ou des quatre bords, on pourrait dire, de la Méditerranée. Mais quand il y a un centre, il y a aussi, dans le vocabulaire du pape, qui est très juste, il y a les périphéries. Très souvent, ce vocabulaire embête certains d'entre nous, parce que on a toujours cette impression, et il faut lutter contre cette impression, qu'il y a un choix à faire. Parce que on parle des périphéries, il ne faudrait plus parler du centre, ou ne plus s'en occuper. C'est mal comprendre, et le dessein de Dieu, et la voix du pape François ou de ceux qui témoignent de l'Évangile. D'ailleurs, le choix de la première lecture dans les Actes des Apôtres est extrêmement intéressant. On est à un moment, alors on est dans les années 50, avec saint Paul et saint Barnabé, où l'Évangile est d'abord annoncé dans le milieu juif, c'est-à-dire le milieu de Jésus, puisque c'est là que c'est né. Donc il y a comme naturellement une sorte d'adaptation, de familiarité entre le message de l'Évangile et le monde juif. C'est le choix de Dieu. Mais il n'empêche que ce choix d'un centre, le monde juif, n'est pas non plus exclusif. C'est pas parce que l'Évangile est d'abord pour les Juifs qu'il n'est pas aussi pour les païens. Et ce qui arrive à saint Paul, on n'est pas loin des villes Antioche et autres dont qui sont actuellement éprouvées par ce terrible tremblement de terre. On est vraiment dans la base. Alors c'est pas tout à fait le même Antioche. Enfin bon, c'est en Turquie aujourd'hui. C'est là que Paul va vivre un véritable déchirement dans cet élargissement. Il donne l'impression de dire puisque vous voulez pas de l'Évangile, je vais chez les autres. Et donc de fonctionner de manière exclusive, ou alors de fonctionner en substitution. C'est pour les uns, ou bien c'est pour les autres, mais pas du tout. D'ailleurs, l'auteur Saint-Luc qui nous raconte ça a bien soin de montrer que Paul va citer les Écritures, c'est-à-dire la révélation du plan de Dieu, pour dire que Israël demeure pour toujours la lumière des nations. Qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, ils participent à l'évangélisation de ceux qui sont loin, de ceux qui sont à la périphérie. Et l'Évangile demeure destiné, toujours et en premier, au monde juif et aussi au monde païen. C'est l'un avec l'autre.
C'est l'un pour l'autre. On va vers l'un et on n'oublie pas l'autre. On s'occupe du centre, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de ses proches et on s'occupe de ceux qui sont aussi plus loin. Ou à l'inverse, on va s'intéresser, on va partir en mission très loin, ça n'empêche pas que l'on se doit à ceux qui sont proches ou à ceux qui ont été les premiers. Parce que c'est tout l'ensemble qui reste l'objet et de l'amour de Dieu et donc de l'amour des enfants de Dieu. Ne fonctionnons jamais les uns contre les autres ou les uns sans les autres. Je finirai simplement, puisque nous célébrons la messe et que c'est dans et par la messe que l'on comprend, je crois, le plan de Dieu. N'oublions pas, faisons attention peut-être aux paroles de la consécration du pain qui devient le corps du Christ, la consécration du vin qui devient le sang du Christ. Cette coupe est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, versée pour vous et pour la multitude. Une messe, toute messe, notre messe ce soir, elle n'est pas que pour nous. Elle est pour le monde entier. Elle manifeste l'amour, l'attention, la présence de Dieu pour le monde entier. Accueillons cet amour que Dieu révèle pour nous et tâchons de le témoigner à ceux qui sont proches et à ceux qui sont loin. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les offrandes que nous te présentons, Dieu, Seigneur de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là le juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Cyril et Méthode. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Cyril et Méthode, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier en faveur de Timothée et d'Angus. Dans ta miséricorde, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les victimes du séisme autour d'Antioche, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Soutenu par la multitude des saints pasteurs que Dieu nous envoie,
nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous t'y attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, qu'elle en soit le signe parmi tous les hommes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix et d'encouragement. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Dieu, Père de toutes les nations, nous te rendons grâce car tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit, et parce que tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête, des saints Cyril et Méthode, patrons de l'Europe, accordent en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.